ville de Valenciennes a, comme beaucoup de villes moyennes en France, peut-être moins, mais elle en a quand même, des cellules vacantes. Hein. Et l'objet, c'est très rapidement, de nouveau, de remplir ces cellules vacantes. C'est un concours et que ce concours donnera lieu à des résultats. Demain, vers 12h30, tout le monde a sa chance. Moi, mon projet, c'est la création d'une boutique K-pop. Donc, ça va être sur boutique en ligne, boutique physique. Un lieu de vie, de création dans le coaching, yoga, pilates. Mon projet, c'est d'ouvrir un bar à plantes. Très bonne dynamique avec tous les acteurs qui sont coachs aujourd'hui, puisqu'on a des coachs qui sont eux-mêmes des commerçants de Valenciennes, mais aussi des coachs qui sont des experts de la création d'entreprise avec la chambre de métier, la chambre de commerce, la CCI, avec aussi la BGE, la boutique de gestion espace. Et après, on a des coachs plus spécialisés, comme moi, sur l'innovation, l'ingénierie financière. On a des banquiers, on a des assureurs. Aujourd'hui, c'est vraiment innovant puisqu'on là, on est vraiment sur le terrain, on est vraiment en plein centre-ville, on est dans les locaux, ça permet de tester en live effectivement, donc avec une future clientèle potentielle. Alors, nous sommes en train de faire une étude de terrain pour identifier la typologie des clients sur mon futur projet. Ça, c'était le besoin. Ouais. Ça, c'était les solutions qui existent ouais. déjà. Donc, il y a des concurrents directs qui sont directement ouais. le passager 23 et Geekscape. Je les connaissais même pas. J'ai une équipière qui m'aide beaucoup, qui est étudiante en technique commerciale. J'ai aussi eu des coachs qui sont eux-mêmes chefs d'entreprise. Et en plus, ça nous met tout de suite dans la concurrence, on va dire, parce que mine de rien, ça reste un concours et on doit essayer d'apporter le meilleur projet. Les projets évoluent au fur et à mesure de la journée. Entre le premier pitch des porteurs de projets ce matin et ce que nous allons voir dans quelques minutes, j'ai vu que les projets avaient évolué et ça, je trouve ça vraiment super. Il n'y aura qu'un seul gagnant, hélas. Mais rien n'empêche, dans ceux qui ont perdu, de pourquoi pas occuper demain une cellule vide. Il en reste quelques-unes, comme toutes les centres-villes. Le centre-ville de Valenciennes a souffert, mais on a une petite particularité, c'est qu'à Valenciennes, il y a des commerces qui ferment, mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui ouvrent. Eh bien, on a là un potentiel d'ouverture nouveau qui est intéressant.